Amen. 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 Merci de tout cœur, bien-aimés, soyez les bienvenus sur la ligne de prière de Sia Ministries. Thank you so much, beloved. And welcome on the prayer line of CIO Ministries. Dieu l'a fait encore. God has done it again. Il vient de renouveler pour nous le souffle de vie comme un don gratuit. He has just renewed for us the breath of life as a free gift. Pendant que nous étions endormis, when we were sleeping, certains d'entre nous, on ne connaissait même pas qu'on existe, on est où? Some of us, we didn't even remember that we exist, and where are we? Lui qui ne dort ni ne sommeille, qui garde Israël, a veillé sur nous. He who neither sleep nor slumber, did not sleep. He keeps Israel was watching over us. Il nous a protégés des dangers dont nous n'étions même pas au courant ni conscients. He protected us from dangers that we didn't even know and we were not aware of. Il nous a précédés dans cette journée. He came ahead of us in this day. Il nous accueille. And he's welcoming us. La Bible dit, en renouvelant ses largesses, sa bonté, sa miséricorde, son amour, ses compassions pour nous. The Bible says, He has renewed His compassion, His love, His goodness, His kindness for us. La Bible dit, pendant que ses enfants dorment, ils partent dans le lendemain et ils préparent le pain qu'ils vont manger. The Bible says when his children are sleeping, he goes into the next day and prepares for them the bread that they will eat. Nous allons lui dire merci. We are going to thank him. Là où tu te trouves, prosterne-toi, lève ta voix, ensemble avec les oiseaux qui sont en train de chanter maintenant, qui louent Dieu. Bénis-le. Lève ton cœur. Offre-le lui. Lève tes yeux vers lui. Contemple son amour, sa grandeur, sa splendeur et sa bonté pour toi. Beloved, where you are, I want you to bow before him. And join all of us with the birds that are singing, thanking him and praising him. Lift your eyes, I mean the eyes of your heart towards him. In his splendor, his majesty, his love. He's here for you.
Let's pray. Thank Him and give Him glory. Bien-aimés, prions, remercions-le et adorons-le. Prions ensemble. Let's pray. Oh, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Menacé, attaqué, recherché par le monde des ténèbres, tu nous as gardés. Tu nous as protégés. Seigneur, merci. Tu es le seul, qui vient de renouveler le souffle de la vie. Qui est le don le plus précieux. Car il y a beaucoup qui sont partis au lit et qui ne se sont pas réveillés. Sans le souffle de vie, toutes les autres choses sont restées ils n'en auront plus accès et toutes les autres personnes sont restées séparées pour toujours. Mais par ta grâce et par ta miséricorde, tu as choisi de nous compter parmi les vivants. Tu as encore écrit les noms de chacun de nous sur la liste des vivants de ce jour. Tu n'as pas simplement écrit des noms. Tu nous regardes. Tu nous connais. Tu veilles sur nous. Tu pourvois. Ta parole déclare que tu comptes même les cheveux de chaque tête. Sont comptés par toi, vérifiés par toi. Oh, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous t'adorons. Seigneur, merci. Sois loué. Sois béni. Sois glorifié. Oh Seigneur, merci. Ton amour est réel. Assis sur ton trône de grâce, tu n'es pas resté au ciel. Tu as fait descendre ton trône. Ce matin, tu nous accueilles dans ta présence. Ici sur terre, ce matin, tu as choisi de descendre. Car avant que nous puissions nous réveiller, tu as préparé. Par amour, par ta grâce et par ta miséricorde. Avec tes mains, tu as préparé cette journée. Tu as tracé le chemin par lequel nous allons passer. Tu as ouvert les écluses des cieux, tu as pourvu. Asante Baba, asante, asante. À tous nos besoins. Asante Baba, asante Baba, asante. Car tu es notre Père. Mungu wa Elia, Mungu wa Abeli, Mungu wa Ruti, Mungu wa Sara. Oh Abba Père. Oh Baba, Mungu wa Naomi. Oh Yesu Christ, Mungu wa Enoki, Mungu wa Ezekiel, Mungu wa Abba Père, merci.
Sois loué, sois béni, sois glorifié. Abba Père, merci. Yekere Baba Shanda. Merci pour mon frère. Merci pour ma sœur. Merci pour chaque famille. C'est toi qui donnes et qui tiens et qui soutiens la vie par ta puissante main. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Toi, tu connais les plans que tu as préparés pour chaque famille, pour chaque nation et pour ton Église. Ta parole déclare pour nous donner un avenir. Tu as déjà donné. Et ce que tu as donné, l'ennemi ne peut pas arracher. Lorsque nous le mettons dans ta main. Merci. Merci, Seigneur, merci. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce et nous t'adorons. Le Dieu de toute la miséricorde. Le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu de toutes les compassions. Tu n'attends pas que notre bouche s'ouvre pour écouter notre prière. Lorsque nous souffrons, la douleur, la peine de notre cœur est ressentie dans le tien. Merci. Lorsque nous pleurons, nos larmes, les cris de nos larmes, est entendu au ciel. Merci. Merci. Ce matin, nous te bénissons. Ce matin, nous nous prosternons devant toi. Ce matin, reçois la gloire qui t'élige. Car personne d'autre n'est digne de recevoir la gloire, la louange et l'adoration. Merci. Merci. Gloire. Gloire. Gloire et louange à Jésus. L'agneau de Dieu immolé. Oh, l'agneau de Dieu. Qui a tout payé. Qui a tout payé. Qui est entré dans le séjour de mort. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Qui a porté nos maladies, nos douleurs, nos souffrances, nos péchés, notre honte,
habitué à la souffrance, homme de douleur, afin que nous soyons pardonnés, guéris, libérés, arrachés des ténèbres, par la victoire qu'il a remportée. Il est allé dans le séjour des morts, il a arraché le guillon de la mort, il est sorti vainqueur. Il est sorti vainqueur. Il a vaincu la mort. Par la puissance de la résurrection, il est ressorti vivant. Merci. Gloire et louange à l'agneau qui aujourd'hui assis à la droite du Père. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit, et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire du Père. Oh, Seigneur, merci. Alléluia. Nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous t'adorons. Nos yeux sont sur toi, qui nous a tant aimés et qui nous aime d'un amour insondable, d'un amour éternel qui est présent maintenant. Merci. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Notre Sauveur et notre Maître. Amen. 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 Bien-aimé, dans la présence de notre Père, beloved in the presence of our Father, nous devons toujours nous rappeler qu'il est le Dieu qui est trois fois saint. We always have to remember that he is the God that is three times holy. Et que dans sa présence, aucun péché, aucune souillure, de quelque nature que ce soit, ne sont acceptables. In his presence, no filthiness, no sin of any kind are acceptable. Voilà pourquoi implore le sang de Jésus. That's why, beloved, let's call upon the blood of the Lamb. Car si toi et moi nous disons qu'on n'a pas péché, nous sommes des menteurs et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est juste, il est fidèle pour nous pardonner, pour nous laver et pour nous purifier de toute iniquité. If you and I say that we have not sinned, the Bible says we are liars and the truth is not in us. But if we confess our sins, he is just, he is faithful, he will forgive, he will cleanse from all iniquity. Prosterne-toi ce matin. Repends-toi ce matin. Demande pardon. Pour toi-même et pour toute vie liée connectée à la tienne, pour ta famille, pour le peuple au milieu duquel tu vis et pour l'Église. Beloved, bow before him. Repent this morning. Ask forgiveness for yourself, for every single life connected to yours, for your family, for the people where you live, for the house of God.
Oh, lève ta voix. Demandons pardon. Lift your voice and let's ask for forgiveness. Prions. Let's pray. Ah, Seigneur, pardonne. 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 Seigneur, pardonne. Je ne sais même pas par où commencer. Parce que tout est à nu et à découvert devant toi. Tu vois mes pensées. Tu as écouté mes paroles. Tu vois mes actions. Tu vois ce que j'ai fait, ce que j'ai manqué de faire. Ce matin, comme le roi David, je viens à toi. Je dis, Seigneur, c'est moi qui ai péché contre toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Oh, Seigneur, ne me traite pas selon mes péchés qui ont provoqué ta colère. Regarde-moi au travers du sang de Jésus. Que ton cœur soit apaisé envers moi, ô Seigneur. Pardonne, Seigneur, pardonne. J'invoque le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Qui a été blessé et meurtri pour moi. Oh, Seigneur, pardonne. Tu connais de quoi je suis fait. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Pardonne ma maison. Pardonne ma femme, mes enfants, mes petits-enfants. Mes frères, mes sœurs. Mes neveux, nièces. Toutes les vies lié, connecté à la mienne, Seigneur, pardonne. Pardonne mon frère, ma soeur sur la ligne de prière. Pardonne chaque famille, oh Dieu, oh Dieu. Tout est à nu à découvert devant toi. Ce que nous cachons aux hommes n'est pas caché à toi. Les paroles qui sont prononcées même sous la langue, toi tu les entends. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Les paroles que les gens prononcent même dans leur propre cœur sans son, toi tu les entends. Pardonne. Toute méchanceté, pardonne. Toute exploitation des hommes par les hommes, pardonne. Tout mensonge, pardonne. Toute idolâtrie dans nos cœurs où nous avons pris des choses. Nous avons pris les hommes. Nous avons placé sur des trônes plus élevés que le tien dans nos cœurs. Pardonne, pardonne. Pardonne notre folie. Nous nous sommes accrochés aux choses que toi tu as créées, que tu as données. Au lieu de nous accrocher à toi, à ton cœur. Pardonne. Pardonne le peuple au milieu duquel nous vivons. Toutes sortes d'abominations. Érigées à mode de vie.
toutes sortes de trônes élevés à des idoles. Consacrés dans les habits, dans les parfums, dans les, la nourriture, dans tout, tout, imprégné dans la vie. Seigneur, pardonne, pardonne, pardonne. Les rituels de toutes sortes. Qui élèvent et qui maintiennent des idoles. Pardonne. Pardonne. Seigneur, pardonne. Lave par le sang. Lave par le sang. Lave par le sang. Pardonne notre désobéissance. Là où tu nous as clairement parlé. Nous avons reçu la grâce d'écouter ta voix. Mais nous avons désobéi. Seigneur, pardonne, pardonne, pardonne. Ce matin, nous venons à toi. Ce matin, nous prions et nous demandons ta miséricorde. Lave. Oh Seigneur, lave, lave par le sang, lave par le sang, lave par le sang. Là où nous avons manqué d'être le sel et la lumière, tu nous as appelés. Tu nous as positionnés. Tu nous as même utilisés comme instrument dans ta main. Oh Seigneur. Pardonne ce matin. Accorde ta grâce et ta miséricorde. Accorde ta grâce et ta miséricorde. Nous avons été une occasion de chute pour les gens pour lesquels nous devions être le sel et la lumière. Seigneur, pardonne. Pardonne. Et lave par le sang de l'agneau. Lave par le sang de l'agneau. Lave par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci parce que tu es lent à la colère et riche en bonté. Merci parce que tu ne gardes pas ta colère à toujours. Tu es le Dieu qui pardonne. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, encore une fois, soyez les bienvenus sur la ligne de prière. This is our ministry. Beloved, once again, welcome on the prayer line of CIO Ministries. Cette semaine, nous bénissons le Seigneur. Encore, qui, comme chaque dimanche, vient nous visiter et nous parle. Il a fait dimanche passé. This week again, we bless the Lord. Faithful to his promise, every Sunday he's there and he has spoken to us again last Sunday. Voilà pourquoi chaque jour nous encourageons d'écouter, de réécouter.
écouter et de partager le message du dimanche. That's why every day we encourage to listen, re-listen, and share Sunday's message. Le dimanche, Dieu a envoyé son serviteur pour nous parler sur le pardon. Last Sunday, God sent his servant to speak to us on his behalf on forgiveness. Comme je l'ai dit, le message est très, très riche. As I said, the message is very, very rich. Écoute, réécoute, écoute encore. Car ce message a reçu une mission. Et elle, cette parole ne rentrera pas chez Dieu sans avoir accompli complètement cette mission dans ta vie et dans la mienne. Et dans l'Église. Because that message has received a mission, an assignment. And it will not go back to the Lord without accomplishing completely the assignment in your life, in mine, and in the church. Pardon. Forgive. Pardon. Forgive. Parmi les plusieurs aspects que nous avons vus, le pardon est comme une clé. Among all different aspects that we have discovered Sunday, forgiveness is like a key. Et ce matin, je veux que toi et moi, and this morning I want you and I, prendre une décision très importante. To make a decision, decide, and that decision is very important. Je vais donner une illustration et nous allons prier. Let me give an illustration and then we're going to pray. En écoutant, réécoutant et écoutant encore très bien le message du dimanche, va le faire. Listening, re-listening, listening again. Last Sunday's message, I encourage you, go do it again. Maintenant, imagine ceci. Now, imagine this. Toi, tu es dans une prison. You are in jail. Dans cette prison-là, il n'y a que toi. In that prison, it's only you. Avec une porte bien fermée. Personne ne peut venir du dehors, ni casser la porte, aller en errin, ni venir te secourir, personne. That jail prison door is in brass, and no one can come from outside and break the door. It's unbreakable. Tu risques de mourir parce qu'il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien là-dedans dans cette prison-là. You can die because there's no food, no water, nothing in there. Pendant que tu es là, while you are there,
famille, à la maison, t'aime, veut te voir. Your family in your house loves you. They want to see you. Si tu es marié, if you're married, et ta femme connaît ton plat préféré, elle prépare ça chaque jour. Elle a préparé, elle réprépare. C'est à ta tante. Your wife knows your favorite meal and she cooked it and she cooked it again. Si tu as des enfants, ils demandent, where is daddy, daddy? Si tu as des enfants, où est papa, papa? Si tu es une femme, tes enfants disent, mommy, where is mommy? Si tu es enfant, tes parents t'aiment, te cherchent. If you're a child, your parents love you and they are seeking for you. Ça, c'est ta famille. Mais dehors, là-bas, se trouve ton avenir. Out there is your future. Ce que Dieu a préparé pour toi, pour demain, pour l'année prochaine, pour le mois prochain, t'attend des portes d'occasion, des vies à rencontrer, des projets à réaliser. Ça t'attend. Doors of opportunity. What do you have to become next month, next year, tomorrow? I wait for you out there. Personne ne les prendra. C'est assigné à toi. No one will have them. It's assigned to you. Une vie qui mérite d'être vécue est là-bas. A life that is worth it to be lived is out there. Malheureusement, tu y es enfermé. Unfortunately, you are locked down. Maintenant, qu'est-ce que tu ferais? Now, what will you do? Si après plusieurs jours, plusieurs mois, ou même plusieurs années, if after many days, months, or even years, tu t'aperçois qu'il y a une clé là-bas dans la prison, dans ta cellule là. Il y a une clé. Cette clé-là ouvre la porte. Deux, il n'y a pas de garde. Personne ne garde cette prison-là. Il n'y a pas de police, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de garde. Qu'est-ce que tu ferais? Beloved, what would you do if you all of a sudden discover a kid that has been sitting next to you all this time? That key opened the door. And there is no guard, no soldier, no army, nobody watching that prison. What would you do? Que ferais-tu? Oh, bien-aimé, moi, je sais ce que je ferai. Prends la décision. Beloved, I know what I will do. Decide. Cette clé-là, ça fonctionne seulement quand il y a une condition qui est remplie. That key works only if you fulfill one requirement, only one. Quand tu pardonnes, et tu pardonnes réellement, sincèrement, complètement, de tout cœur, la clé fonctionne. If only you forgive with all your heart and sincerity, then the key works. Qu'est-ce que tu ferais?
for what you do. C'est ça notre sujet de prière de ce matin. That's our prayer point of this morning. Tu as la clé dans ta main. You have that key in your hand. Peut-être tu es en train de te rappeler de tout ce qu'on t'a fait, tout ce qu'on a dit, tout ce que... Maybe you're remembering now everything and tu ressens la peine, la douleur dans ton cœur, tu ressens encore. Je m'arrête là. Parle à Dieu. Imagine que tu es là ce matin. Ou que ton fils est là ce matin. Ta femme est là ce matin. Ta fille est là ce matin. Ton frère, ta soeur est là ce matin. Parle à Dieu. Beloved, this is true. Think that you may be there this morning. Your wife may be there this morning. Your son may be there this morning. Your daughter may be there this morning. Your sister, your brother, your friend, your relative. Now talk to God. Prions. Prions. Let's pray. Let's pray. Oh, Seigneur. Oh Seigneur, Santé Baba. Oh Seigneur, Santé Baba. Oh Seigneur, Santé Baba. Santé Baba. Tu as donné la force à la main. La main fonctionne. La tête fonctionne. Nous avons compris. Nos yeux voient là où on met la clé, là où la porte se trouve. Touche nos cœurs. Touche nos cœurs. Montre-nous le pour et le contre. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de refuser de pardonner? Lorsqu'il y a une famille qui nous aime, des gens qui nous aiment réellement, dans lesquels toi tu as placé l'amour réel et véritable, et qui nous attendent pour partager cet amour. Lorsqu'il y a un lendemain préparé par toi. Lorsqu'il y a des portes d'opportunités. Des projets à réaliser. Des vies à bénir, des voyages et des nations à impacter. Seigneur, Seigneur, ce matin, comme le papa qui a dit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité », et tu as guéri son enfant. Comme ce papa-là, je prie, je dis, Seigneur, je pardonne, viens au secours de mon cœur. Oh, Seigneur, je prie pour moi-même, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, je prie pour ma femme, je prie pour mon enfant. J'ai prié pour mes petits-enfants. J'ai prié pour chaque vie liée, connectée à la mienne. J'ai prié pour ton Église. J'ai prié pour chaque personne qui écoute le son de ma voix ce matin, en direct comme en différé. Seigneur, j'ai prié pour chaque personne que tu fais passer devant moi, que ma vie va croiser, rencontrer. Afin que nous puissions saisir la clé, ouvrir la porte et sortir. Sortir de cette prison.
sortir de la prison de l'amertume. Sortir de la prison de l'offense, un cœur offensé. Sortir de la prison des cœurs blessés. Sortir de la prison qui nous fait toujours regarder en arrière, on ne voit plus devant et l'avenir. Sortir de la prison qui fait que les choses qu'on ne peut pas changer, on continue à les tenir et à vivre selon elles. Sortir de la prison imposée par les diables qui vient et qui s'est approprié notre cœur. Sortir de la prison du manque de pardon. Ce matin, je sors. Ce matin, je sors. Ce matin, j'entraîne à sortir de cette prison tous ceux qui me sont chers. Personne ne doit rester dans cette prison-là. Personne. Ce matin, je sors. Je referme la porte derrière moi. Je prends cette clé-là. Je la mets dans les mains de Dieu. Personne n'est capable d'aller arracher ça des mains de Dieu. C'est fini, cette histoire. Le manque de pardon. Dieu qui m'a donné la vie. Dieu qui a tant investi. Dieu qui m'aime. Qui prenne cette clé-là. Je suis sorti. Je suis sorti. Et ce matin, je déclare par la foi. Ma sœur est sortie. Mon frère est sorti. Nos enfants sont sortis. Nos familles sont sorties de cette prison. L'Église est sortie de cette prison. Le pardon. Le pardon. Règne. Règne. Impose la fondation pour le vrai amour. Le vrai amour. Le vrai amour qui amène la paix. Le vrai amour qui ouvre les cieux. Le vrai amour. Merci Seigneur. Que la lumière luise. Plus de ténèbres dans la prison. Dehors, la lumière luise. Que la guérison se manifeste. Que la gloire de Dieu descende. Que le nom de l'Éternel soit loué, soit béni, soit glorifié et soit élevé. Alléluia. Alléluia, que les miracles s'opèrent. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni et glorifié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous t'adorons, nous te louons, nous te glorifions. Merci Seigneur. Nous élevons et nous bénissons ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Tu nous as arrachés du puits, du gouffre. Merci Seigneur. Merci. Tu as détruit la prison. Tu l'as rasée. Merci Seigneur. Rekebe anana shanda kola baba. Ramate kelio bobo shanda kala baba. Merci. Merci. Sois
soit loué, soit béni, soit glorifié. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître. Amen. 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 Bien-aimés, nous allons prier pour le reste de la journée. Beloved, we're going to pray for the rest of the day. Afin que Dieu nous garde et que nous marchions dans l'amour, dans son amour. So that God will keep us and help us walk in love, in His love. Prie pour toi-même, prie pour cette journée, qu'elle soit une journée remplie d'amour et de pardon. Jusqu'à ce que nous allons nous retrouver à midi. Prions. Let's pray. Father, we thank you. Père, nous te remercions. Cette journée entière entre tes mains. This whole new day into your hands. Merci. Thank you. Merci. Thank you. Que nous puissions marcher dans l'amour et dans le pardon. Pour ta gloire. Help us walk in love and forgiveness for your glory. Merci pour les projets que tu as préparés, que tu as déjà accomplis pour la journée. Et nous marchons couverts par toi, conduits par toi, accomplissant ta volonté. Au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître. Amen. 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 Bien-aimés, avant de clôturer, beloved, before we close out, n'oublie pas encore, écoute, réécoute et partage le message de dimanche. Listen. Re-listen and share last Sunday's message. Prépare-toi pour la prière de midi. Prepare yourself for noontime prayer. Prépare-toi pour chaque rendez-vous de prière cette semaine. Prepare yourself for every appointment of prayer on the prayer line this week. Prépare-toi pour le dimanche prochain. Ce que Dieu a fait, ce n'est qu'un début. Dimanche passé, prépare-toi pour le dimanche prochain. What God has done is only the beginning. Last weekend, last Sunday, prepare yourself for next Sunday. Et décide, moi je ne manquerai pas. Dans la maison de Dieu et dans sa présence. And decide, I will not miss out in the house of God, in His presence, on Sunday. Et décide, je vais aller et je vais amener mon amour. And decide, I will go into the house of the Lord and I will bring my love, mon amour pour Dieu. Et mon amour pour ce que Dieu m'a donné dans la famille de Dieu. My love for God and my love for all those God has given me in my family. In the house of God. Je vais prier pour clôturer ce moment. En fait, prions ensemble. Laissons la journée, toute cette semaine entre les mains de Dieu. Il y a des gens qui voyagent, il y a des gens qui ont des interviews, il y a des gens qui vont partir chez le médecin. Tout entre la main de Dieu. Let's pray together. Commit this week, the entire week, all the activities. People are traveling, people are going to see the doctor, go to interviews and all kind of things. All into God's hands. So His love will be manifested. Let's pray. Prions ensemble. Seigneur, cette journée entière,
entre tes mains. Cette semaine, dans son entièreté, entre tes mains. Merci d'ouvrir les portes. Merci de couvrir, de protéger, de pourvoir. Merci de garder, de conduire. Que ta volonté s'accomplisse et que ton nom soit béni et glorifié. Précède-nous, protège-nous. Que ta lumière luise. Que ton nom soit béni et glorifié. Que ton amour coule partout où nous passons. Pour ta gloire. Merci Seigneur. Sois loué, sois béni et sois glorifié. Au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître. Amen. 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 Merci de tout cœur, bien-aimé. Bonne journée. Et on se retrouve à midi par la gloire de Dieu. Thank you, beloved. Be blessed and we meet again at noon on the prayer line. Merci, soyez bénis. Thank you, be blessed. Soyez bénis, papa. Bonne journée à vous.